Yo l'équipe, c'est Rookie. J'ai joué la SVA 545, qui pour moi est la méta en dehors de tout ce qui est Ramset ou SOA Subverteur, pour tout ce qui est donc fusil d'assaut longue portée. Et pourquoi? Bah parce qu'elle a peu de recul et elle a un profil de dégâts quand même qui est très 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 correct. Et donc ça c'est la classe que j'ai utilisée aujourd'hui. Canon de précision STV pour tout ce qui est portée des dégâts, contrôle du recul, vitesse des balles. J'ai mis le silencieux VT7 Spiritfire en bouche pour tout ce qui est pareil, portée des dégâts et vitesse des balles essentiellement et un peu le contrôle du recul. Ça manque un peu de contrôle, peut-être si vraiment vous avez du mal, je vous conseille tout simplement de vous reposer sur le bon vieux compensateur. Réducteur de flash ZEM35. L'avantage en fait avec le silencieux, c'est que vous avez plus de portée et plus de vitesse des balles. L'avantage avec le compensateur, c'est que vous avez plus de contrôle du recul. Donc c'est à vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais aujourd'hui j'ai utilisé le silencieux. Poignée lourde de soutien Bruen en accessoire canon, pareil, pour le contrôle du recul. Je suis en solo donc 45 cartouches, mais pour moi tous les autres modes, à mon avis, c'est du 60 cartouches. Et le viseur, vous prenez celui que vous voulez. Ça peut être le Jackson VR, ça peut être un x1,5, un x2 ou un x4, peu importe. Moi j'ai pris le Corio Eagle Eyes 2,5. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde! Besoin de reconnaissance.
soldats. C'est vous ou eux ?